ta carte, tu l'as pas non, non, parce que j'ai réussi. Non, on n'avait pas. Abonnez, ma moulette. Parce que là, il y a les pailles. Ben, il y a. Non, vous avez les corbeaux et les corbeaux au feu, ils sont la même taille. Elle a le bec n'est pas là. De la Fontanette suivi une heure plus tard à 16h30 de scène de combat au même campement de la Fontanette. Bon après-midi. Et bah il avait Une petite corne à souffler, oui. Ouais, mais avec un embout rouge. Moi j'aime pas. Ouais. T'as vu l'ancêtre du Martinet là ? Ça c'était des médicaments pour mal de tête. Donc avec un casque comme ça, même si la protection est moindre, vous avez le temps d'anticiper. Et en plus, vous pouvez assez vite. Ça m'a rendu sur les animaux sauvages. Bien sûr, ils ne partagent pas leur repas. Quand on a un oiseau qui est sur la proie, eh bien... Il va voler, comme il le fait maintenant, à ras du sol. A été persécuté par les hommes. Cet oiseau, on l'appelle aussi l'effraie des clochers, puisqu'elle vit depuis la nuit des temps à se demander à nos oiseaux, c'est de faire une petite prouesse technique. On va demander à des oiseaux qui normalement ne se croisent jamais, eh bien de passer l'un au-dessus de l'autre. On va demander à la petite chouette. Voilà les uns que les autres. Et nos amis, les paysans du Moyen-Âge, ils ont vu les seigneurs d'Arles des esprits, plus courageux que tout à l'heure. Et là, le cheval se cabre. Et quand il est cabré, il envoie les deux pieds en avant pour essayer de frapper son adversaire. Bien sûr, les deux sabots posés délicatement sur le crâne, même avec un casque métallique. À l'époque, il y avait un dicton qui disait c'était directement la boîte en sapin. Et puis, voilà. Vous voyez, c'est rapide. Alors, ne croyez pas que dans la nature. Alors, les enfants, cet oiseau de haut vol. Et au faucon, on va lui demander d'aller nous attraper une perdrix, un faisan. Un bon pigeon, une bonne tourterelle. Alors ici, bien sûr, on n'a pas tout ce gibier à disposition. On va se servir d'une fausse proie. C'est Thierry. Alors vous allez voir, l'oiseau, pour faire son attaque, va avoir besoin de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de vitesse. Elle va partir chercher un peu de courant d'air un petit peu plus loin. Et ensuite, elle va revenir. Voilà, elle était un petit peu basse, là, notre amie Maï Maï. Très vert. Grande chance. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi vous avez une très grande chance? Les Alpes-Maritimes sont le département français à avoir l'une des plus grandes densités de ces oiseaux vivant encore sauvages dans nos campagnes. Cet oiseau, en effet, sur le département du Var et des Alpes-Maritimes est extrêmement présent dans tous les massifs rocheux, dans toutes les barres rocheuses que vous allez voir de camouflage. Il est camouflé la forme ronde de sa tête. Quand il va soulever ses petites plumes, il va lac de montagne d'attraper un poisson relativement vite. Vous allez voir maintenant comment notre ami le hibou grandit, c'est bien va rejoindre son territoire dans un vol un petit peu particulier. Thierry va l'appeler. Rapproche-toi, chérie. Alors, pendant que je vous présentais notre ami, ni bride, ni pelle, plus d'entraves imposées par l'homme. Non,
Voilà, quelques bouts de cabrets de notre ami Zéphir. Allez, hop, et regardez maintenant, il va s'acheter directement sur lui la présence de nos compagnons. Alors, pour commencer, on va lui envoyer des oiseaux de petite taille. Alors, les oiseaux qui posent la viande sur des tirs, ils sont tous... Ah bah oui, il y en a qui le fait. Celui-là, il préfère les têtes. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-on utilisé ces oiseaux? Pour chasser le loup et le renard, pour pauvres humains, le même lapin. Dans le même champ, il va falloir qu'on s'en approche à 250 mètres. Et vous dire que cet animal a une vision vraiment phénoménale. Attention quand tu vas dans le sud. Ah mais...